Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Chez vous ce soir, Isabelle Motreau, Claude Sarraute, Gérard Miller, Stéphane Coquerin, Perry Cochin et Stevie Boulet. Bonsoir. Ça va, Claude? Non, vous avez l'air de faire un peu la tête, je sais pas ce qui se passe, non? Mais oui, t'as dit une saloperie sur moi que j'ai même pas entendu. Oh, pas du tout! C'est Stevie qui m'a dit que tu avais dit quelque chose de méchant. Stevie, est-ce que c'est ça que j'ai dit? Non. Non, à moi, il dit ça, pas à toi. Ah bon? Oui. Tu es sûr? Tu jures sur ma tête? Oui, je jure sur ta tête. Et là, boum! Je vais vous dire, il est juste l'heure de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Ségolène Royal, qu'on a pu voir ce matin sur notre chaîne, juste après Amour, Gloire et Beauté, invitée de l'émission de Sophie Davant. C'était donc ce matin. Et c'est Sophie Davant qui interrogeait Ségolène. Oui, Pierre Sled et François Hollande gardaient les enfants pendant ce temps-là. Passer dans une émission qui s'appelle « C'est au programme », alors qu'on lui reprochait justement de ne pas en avoir de programme, elle est forte quand même, Ségolène. Heureusement, tout de suite après, à 11h sur France 2, il y avait Lionel Jospin dans Motus. À 11h35, retour de Ségolène Royal et François Hollande dans Les Amours. Et à 12h50, Bernard Tapie pour le tirage du millionnaire. J'ai pris juste un court extrait. Regardez Sophie Davant, regardez ce qu'elle dit à Ségolène. Alors, vous êtes une très jolie femme. Vous avez travaillé votre look, vous l'avez cultivé. Ça la fait rire quand on lui dit qu'elle est une très jolie femme. Ça la fait rire. Les femmes aiment plaisir. Ça. Ah oui. Non, mais moi, toujours. Attendez, je vais essayer, je vais essayer. Perry, vous êtes une très jolie femme. Merci, Laurent. Vous avez un petit côté Ségolène, d'ailleurs. Regardez la ressemblance. C'est son côté bourge, justement. Ouais. Gérard, pensez que c'est un bon choix stratégique? Ben, écoutez, je pense en tout cas que ça fait du bien de voir quelqu'un qui est populaire à gauche. Donc je ne vais pas me plaindre de voir Ségolène Royal grimper dans les sondages. Stéphane Pocra. Je suis un peu perplexe parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Ségolène Royal, mais j'en ai encore davantage pour Nicolas Sarkozy, alors j'hésite un peu. Je croyais qu'il allait bien pour Sophie Davant, moi. En fait, les socialistes étaient surtout dans la rue aujourd'hui pour manifester auprès des jeunes, il devait y avoir Jack Lang, contre le CPE. On ne veut pas du CPE, mais on a des idées, titrait l'Humanité ce matin. Manifestation contre le projet Villepin, génération jetable, titrait Libé. À la une de François, on nous montrait le bras de fer CGT-CPE, hein, autant dire évidemment M. Thibault contre M. Dominique de Villepin. C'est d'ailleurs salaud de la part de François, un bras de fer juste en dessous d'un manchot, regardez. Et le Parisien plus centriste s'interrogeait « Que faire pour les jeunes ?» Le Figaro constatait « CPE, l'épreuve de la rue », en trois mots, hein, de la rue Claude, hein, puisque Jean-Luc n'a pas encore fait signer de CPE dans sa maison de production. En tout cas, le Premier ministre est déterminé, il l'a dit et répété encore aujourd'hui, le CPE, c'est comme le prince Albert, il ne se retire pas. Que faire pour les jeunes, alors, Stéphane Pocra? Vous avez un programme, vous qui êtes candidat à la candidature des candidats? Moi, je pense que Villepin doit être raisonnable et qu'il doit retirer son projet. Il est passé en force au Parlement. La principale question pour les jeunes aujourd'hui, c'est pas tant la première embauche, comme ce qu'on essaye de nous faire croire, que la question de la formation dans le cadre du boulot. Or, quelqu'un, si tu expliques à un patron que de toute manière, 2 ans après, il peut virer le mec, je vois pas pourquoi il investirait dans le cadre de sa formation. Donc ça ne fonctionne pas. Et même des économistes libéraux disent que ce n'est pas, c'est pas une bonne idée. Donc Monsieur Villepin, je vous le dis en vous regardant dans les yeux, retirez le CPE. Il l'a fait passer son CPE avec le 49-3, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est sûr que ce n'est pas une erreur. 49-3, c'est pas sa température après la chikungunya, non? Justement, une photo, celle de 3 nouveaux chats contaminés par la grippe aviaire. Regardez, bon, c'est normal, hein, ça se passe au sud de l'Autruche. Il y a des pays qui sont prédestinés pour ça, pour la grippe aviaire. Déjà, l'Autriche, ils ont été les premiers à marcher au pas de l'oie. Alors, évidemment, le prochain pays, on peut se dire que ce sera la Crète. Mais le pire, c'est quand même cette nouvelle psychose qui va se créer non seulement autour des poulets, mais maintenant autour des chats. Même les parents qui avaient des siamois, avant, ils cherchaient à les séparer. Maintenant, ils vont chercher à s'en séparer. Il paraît que depuis une semaine, la SPA n'a jamais reçu autant d'appels de gens qui veulent abandonner leur chat. C'est monstrueux. Vous signalez que vous avez le chien de Stevie à vos pieds. Oui. Ah ben non, il est mignon, mon chien. Mais oui, mais il n'aurait pas un petit chikungunya? Je paye des gens pour, avant que j'aille le promener, je leur dis « enlevez-moi les pigeons ». Donc, ils ne croisent aucun pigeon. Vous payez des gens? Attendez. Chasser les pigeons, comme ça, quand je prends, il n'y a pas de pigeons. Mais quelle horreur!
Et c'est de pire en pire. Je vais vous dire, alors le pigeon, c'est vraiment vous. Hein. On passe aux pingouins. Les pingouins touchés, eux, par l'épidémie du succès, puisqu'hier, La Marche de l'Empereur a obtenu un Oscar à Hollywood. Bon, c'est vrai que le documentaire Pingouin est bien tricoté, mais franchement, un fil d'art, ça aurait été plus logique. Il faut dire quand même que les pingouins ont la trouille d'obtenir un ours à Berlin parce que lui, il pourrait les bouffer. En fait, le grand perdant des Oscars, c'est le western Brokeback Mountain. Il faut dire qu'aux États-Unis, La Marche de l'Empereur est sortie sous le titre The March of Penguin. Alors, un film gay à Hollywood, ça leur a suffi. Vous avez vu La Marche de l'Empereur, vous, Stevie? Non, j'ai pas vu. Bah alors? Bah j'ai attendu qu'il sorte en DVD. Il est sorti déjà depuis un moment en DVD. C'est vrai, bah on va aller l'acheter. Deux fois. C'est juste que je prends mon courage pour aller dans un magasin, c'est tout. Ah oui, mais t'as qu'à payer quelqu'un pour essayer de chasser les acheteurs. Oui, Claude. Oui, moi j'y suis allée et je suis restée. Je l'ai vu deux fois et demie. Ce qui m'a, la seule chose qui ne m'est pas tellement plu, c'est que la maman, le papa et le bébé pingouin ont des voix d'acteurs. Et ça, justement, ils l'ont changé aux États-Unis. Moi, j'aurais préféré. Il y a un monsieur très connu, un acteur très connu. Morgan Freeman. Qui dit le commentaire. Pas faux. Je trouve que la remarque de Claude est juste. Oui. C'est-à-dire que le fait d'entendre, par exemple, le petit bébé pingouin dire « Ah, je suis content, je vais retrouver ma maman », je trouve ça un peu ridicule. Et je pense qu'un commentateur comme aux États-Unis aurait suffi. Mais c'est un petit détail. Ouais. Enfin, franchement, là encore, je trouve que la presse est ridicule parce que les Américains, effectivement, et les producteurs de ce film ont tout fait pour que ce film marche aussi bien aux États-Unis qu'il a marché en France. Ils ont bien eu raison. On va pas mettre des acteurs français. Prendre Morgan Freeman parce que c'est un acteur américain, ça me paraît logique. Non, on va pas prendre... Je sais, ils ont changé aussi. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. J'ai lu même, franchement, les journalistes vraiment vont... Parfois, je me suis estomaqué par ce que je lis. Il y a un journaliste qui leur reproche ce matin aux Américains de ne pas avoir gardé le titre « Marche de l'Empereur ». Bah oui, il faut comprendre que les Américains, pour eux, « Empereur », ça ne veut pas dire tout à fait la même chose que chez nous. Et oui, ils ont mis à la place « March of Penguins ». Je ne vois pas où est le drame quoi, là-dedans. Non, vraiment, parfois, il y a un anti-américanisme à la con. Vraiment, c'est débile. Non, mais justement, tu... ce qu'ils là, on ont te fait, disait que c'était une bonne mieux. Idée. Faut que tu écoutes c'est un mieux. On te disait que c'était une moi, bonne idée. Moi, je vous dis que non. Je vous dis que ce matin, j'ai lu... Écoutez-moi aussi. Moi, je vous dis que si vous voulez pas tous vous prendre un CPE, faut être d'accord avec le patron. OK? On termine par l'info du jour, l'info télé du jour. Le nouveau remplaçant de Patrick Poivre d'Arvor à partir de l'été prochain. C'est à la une du Parisien. Il s'appelle Harry Roselmack. Il vient de iTélé. Et comme le font remarquer les journaux gratuits Métro et 20 minutes, il est noir. Bah oui, ça semble normal puisqu'il est d'origine antillaise. Ils sont quand même pas fous à TF1 pour leur JT. À 13h, le Pernaut. À 20h, le Tiponche. Alors Stéphane, enfin! C'est une très très bonne nouvelle, d'abord pour Harry Roselmack, qui est un excellent journaliste. Et puis ensuite, il est beau, il est excellent. Ensuite, c'est une très bonne nouvelle pour ce pays, qui reconnaît enfin un peu sa diversité. Regardez, vous êtes là avant le 20h, vous, sur France 2, Stéphane. Oui, alors justement, je voulais vous dire, si vous croyez qu'avec moi, vous êtes, ça suffit, non, il en faut plein d'autres. Et puis de mais toutes les origines. Mais vous inquiétez pas, on en prendra d'autres que vous l'année prochaine. C'est bien ce que j'ai compris, c'est bien ce que j'ai compris. Reprocher quand même à cette émission, il y a presque aucun Français de pure souche dans cette émission. Ah ben tu veux dire que les Juifs sont pas des Français? Mais non, mais oh là là, ça y est, c'est parti. Oh la discussion qu'il faut pas aborder. Oh Stevie, la boulette. Mais non, mais il y a moi qui suis d'origine algérienne, Perry d'origine libanaise, Gérard d'origine polonaise, toi d'origine sénégalaise. Non, c'est pas sénégalaise. Non, je ne sais plus. D'Amérique du Sud ou d'Afrique. Oui, oui, voilà. Comme ça. Toi, t'es russe. Je suis pas russe, je suis oui, d'origine russe. D'origine russe. Bah oui, mais bon. Bah alors, voilà. Et moi, et moi, alors. Bah toi, t'es française, c'est pour ça que tu nous exploites. Ça, c'est honteux. Oh, les démonstrations mais de oui, Stevie. C'est assez convaincant. Ça fait peur, hein, Gérard Miller. Ça fait un petit peu peur. Mais... Ce qui est important, c'est de penser que les vrais Français, les authentiques Français, sont ceux qui n'auraient pas des ancêtres de pays étrangers. Tous les Français ont évidemment du sang mêlé. Et ça n'existe pas, le français de 100%. Ben, même Le Pen vient après toute Bretagne, qui pendant tout un temps n'était pas française. Ben oui, elle n'était pas française. Et tu sais comment les roues sont arrivées en Bretagne? Par les Vikings, puisque les Vikings, ils arrivaient et violaient les femmes. Il y avait des roues au Drakkar. Mais non. Ha, 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 ha.
Au mois d'octobre dernier, les États-Unis ont rendu obligatoire la détention d'un passeport biométrique pour les 27 pays signataires de la Convention d'exemption de visa. Tous les pays concernés par cette nouvelle loi se sont mis en règle, sauf, devinez qui ? La France. Ainsi, depuis octobre, 500 000 Français malheureux détenteurs de passeports sans bande de lecture optique sont contraints d'oublier leur voyage ou, s'ils veulent vraiment aller aux États-Unis, de se lancer dans de longues et fastidieuses démarches administratives pour obtenir le précieux sésame, le passeport valable désormais aux États-Unis. Pour parler de ce sujet, nous allons accueillir le président du Syndicat national des agences de voyage, M. Georges Colson. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. J'ai vu quelques articles dans les journaux concernant cette affaire et surtout des files d'attente devant les, c'est à l'ambassade des États-Unis ou au consulat qu'on va chercher. Oui, tout à fait, oui. Parce que si on n'a pas le bon passeport, ce qu'il faut, c'est un visa, en fait, c'est ça? Si on n'a pas le bon passeport, il faut un visa. Alors, qu'est-ce que c'est que le bon passeport? Moi, j'ai tout de suite pris le mien, pour, au cas où j'irai aux États-Unis cet été. Est-ce que, par exemple, alors le mien a été fait en, je regarde, 2003. Vous êtes trop connu, il est bon. C'est vrai? Oui. C'est qu'il est bon. Pourquoi il est bon, le mien? Il est optique. Voilà, vous avez ici des informations qui sont en formule optique, et donc ce passeport est bon, vous pouvez aller aux États-Unis sans visa. Et lesquels ne sont pas bons? Ceux qui ne sont pas bons, c'est ceux qui n'ont pas de visa, de lecture optique. Donc qui ont été faits avant 2001. Voilà, et ceux qui ont été faits à partir du 26 octobre 2005. Parce que là, les États-Unis ont changé. Les États-Unis avaient demandé d'avoir le passeport, soit celui-ci à lecture optique, soit le passeport biométrique. Qu'on essaie de bien comprendre, que ce soit bien clair pour tout le monde. Si vous avez un passeport qui a été fait avant 2001, c'est foutu. Ouais. Si vous avez un passeport fait après 2005, c'est foutu aussi. 26 octobre 2005. Voilà. Il faut avoir un passeport situé entre mi-2001 et octobre 2005 pour pouvoir aller aux États-Unis sans visa. Pourquoi? Pourquoi la France? Pourquoi la France? Il y avait 16 pays qui avaient ce problème. Il y en a 15 qui l'ont résolu, il y en a un qui ne l'a pas résolu, la France. Et vous dites d'abord que c'est une décision politique. Quelle décision politique a empêché que les passeports soient valides? C'est la faute à Sarkozy. Il y a un conflit entre le ministère de l'Intérieur et l'imprimerie nationale. On laisse expliquer, voilà. Monsieur. Une loi de 1993 donnait l'exclusivité et le monopole à l'imprimerie nationale de ces fameux documents. Bon. Avec l'exigence américaine des passeports biométriques, nouvelle technologie, soi-disant qui n'existait pas en 1993, on fait un appel d'offres, public, au privé, etc. Une entreprise gagne l'appel d'offres. À ce moment-là, l'imprimerie nationale fait valoir ses devoirs et ses droits, en disant, mais j'ai le monopole. J'essaie de bien comprendre. Le ministère de l'Intérieur a fait un appel d'offres. Une entreprise privée a gagné cet appel d'offres. Et là, l'imprimerie nationale, qui jusqu'à maintenant a toujours imprimé les documents officiels, donc les passeports, entre autres, dit, non, il n'y a aucune raison qu'une entreprise privée imprime les nouveaux passeports. C'est notre rôle, c'est un document officiel, c'est à nous de le faire. Ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi les passeports récents, comme le mien, moi, le mien a été émis le 16 décembre, c'est-à-dire il y a exactement 3 mois, pourquoi celui-là, alors qu'il y a la bande dont vous parlez en bas, ne marche pas? C'est des passeports tout récents, parce et le problème était déjà parce connu. Parce qu'il est à lecture optique, vous ne faites pas la différence entre lecture optique et biométrique. Le vôtre est à lecture optique, mais il n'est pas biométrique. J'essaie de lui résumer parce qu'elle a l'habitude de mon langage. Toi, il y en a à comprendre, Péricochin. Péricochin, jusqu'alors, les Français, à partir de 2001, ont imprimé... C'est bien ça? Vous me dites si je me trompe. Hein. Non, partir de 2001... on a imprimé des passeports à lecture optique qui étaient valables aux États-Unis. Qui passaient dans la machine. C'est, voilà. Donc les passeports avant 2001 ne sont pas bons parce qu'ils ne sont pas à lecture optique. Mais en 2005, les États-Unis exigent désormais depuis octobre 2005, des passeports
à lecture biométrique. Okay. Ce n'est pas rétroactif. Ça veut dire que les passeports à lecture optique qui ont été faits entre 2001 et 2005 restent valables, ceux-là, mais qu'à partir de 2005, on ne peut plus avoir des passeports comme le vôtre ou le mien. Le vôtre n'est plus valable parce que la loi américaine était déjà passée. OK. Voilà. Il y a une loi en France, comme l'a dit monsieur, depuis des années et des siècles. Une loi qui fait que tous les papiers officiels doivent être fabriqués par l'imprimerie nationale. Or, contre la loi, le ministère de l'Intérieur a décidé de faire un appel d'offres à des sociétés privées. C'était illégal. D'accord. L'imprimerie nationale, du coup, a été dépossédée de cette possibilité de faire des papiers. Elle a protesté auprès du Conseil d'État qui lui a donné raison. Donc pendant tout ce temps, on a perdu du temps puisque l'imprimerie nationale n'a pas reçu mission à ce moment-là de faire ses papiers. Parce qu'on a voulu privatiser une mission nationale. Et pourquoi cette imprimerie ne sait pas faire des passeports biométriques? Si, mais on ne lui a pas donné. On n'a pas pu lui donner un appel. Donc rien n'a été fait. Donc écoutez, monsieur, c'est assez pour l'ancienne... moi. Je fais comme alors qu'il nous remplace tous nos passeports. Je suis désolé, c'est quoi ces conneries? Ça, c'est une question qui sera quand même posée pour les personnes qui auront payé récemment un passeport comme vous et qui vont être obligées de repayer, si vous voulez partir aux États-Unis, un passeport biométrique. Mais c'est pire que ça. Moi, je veux partir aux États-Unis là en juillet. Oui. Je dois faire ma demande de visa maintenant. Tout il y a plus de 3 mois d'attente. Tout à fait. Vous devez aller faire la queue 2 ou 3 fois, prendre un rendez-vous et vous attendez 2 heures devant la porte du consulat. C'est hallucinant. Mais, pour vous, des gens mais qui... vous habitez Paris. Oui, j'habite Paris. Eh ben, pas moi. Eh ben, pas moi. Mais... alors, imaginez. C'est que les États-Unis, à côté, tu peux aller dans tout le reste du monde aussi avec ton passeport. Ma belle-sœur qui habite à Blois a dû venir à Paris faire Blois, la queue. À Blois, vous pouvez y aller avec votre passeport. Non, mais... il y a des hommes d'affaires, tu sais, ceux qui produisent de la richesse pour notre pays, qui aujourd'hui ne peuvent pas aller en Amérique centrale. Ça veut dire qu'on perd des contrats, que peut-être derrière, on perd des emplois. Et le manque à gagner dans l'industrie, en l'occurrence que touristique, mais je que monsieur, c'est, de... c'est environ de 500 millions d'euros. Donc c'est un véritable scandale, c'est de la gabegie, c'est du gaspillage à cause du ministère de l'Intérieur. C'est un scandale. Je propose, Stevie, un acte politique que toi et moi allons faire. Je déchire personnellement ma carte de l'UMP. Je ne suis plus membre de l'UMP, j'y étais jusqu'à présent. T'as raison, pour prendre une carte des communistes, je préfère rester à l'UMP. Aujourd'hui, le problème est de dire combien de temps. La décision est prise. Très bien, le Conseil d'État a dit c'est l'imprimerie nationale. Donc l'imprimerie nationale s'engage en 5 semaines de sortir ces fameux passeports biométriques. Il faut que vous sachiez qu'en fait, ce passeport aura à l'arrière, ici, non seulement la photo sera numérisée, et ensuite, ici, à l'arrière, à l'intérieur, il y aura une puce qui reprendra vos empreintes digitales, etc. Donc, il sera beaucoup plus personnel et performante. Donc, le problème, c'est 5 semaines. Nous sommes mi-mars, bientôt. Donc, 5 semaines, ça va nous amener presque fin avril. Mais combien de temps ces passeports vont-ils mettre pour arriver dans les préfectures, les villes, au fin fond de la France? Normalement, avant l'été, ce sera réglé. J'espère bien avant. Sachant que par rapport au passé, comme ça vous saurez presque tout ou tout, avant c'était les préfectures qui rédigeaient ces passeports, et aujourd'hui ça sera fait directement par les autorités, par l'imprimerie nationale. Ah, c'est... Ça partira directement. Mais ils vont nous les remplacer, oui ou non, ceux-là, ceux qui ne sont pas valables? Vous les remplacez gratuitement? Bah, gratuitement et automatiquement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je refasse une deuxième demande, une deuxième démarche, aller faire la queue. Je pense, je n'ai pas la réponse tout à fait, mais je pense que vous serez obligé de refaire une demande. De repayer. Et de repayer? Et sans doute de repayer. Mais je pense aussi qu'on va essayer de faire en sorte que ceux qui ont payé récemment ne soient pas à nouveau pénalisés, parce que ça deviendrait totalement ridicule. Putain, en tout cas, c'est très clair. Maintenant, on a bien compris. Le problème devrait être résolu dans les mois qui viennent, mais c'est vrai que dans les semaines... Dans les semaines à venir, en tout cas, ceux qui ont un passeport qui a été fait, on a bien compris, entre, on va dire, 2005 ou avant... enfin, entre 2005 et aujourd'hui ou avant 2001, ceux-là, eh bien, il faut qu'ils obtiennent un visa pour aller aux États-Unis. Tout à fait. Parfait. On vous remercie, monsieur Georges Colson. Donc, tous à vos passeports biométriques à partir de maintenant, si vous voulez un jour aller aux États-Unis. Merci. Merci. Entre la grippe aviaire, dont les cas se multiplient sur le sol français, et le chikungunya, qui a déjà contaminé plus d'un septième de la population réunionnaise, et peut-être même, allez savoir, le premier ministre Dominique de Villepin, dont on dit qu'il a été piqué lors de son voyage à La Réunion, eh bien, entre tout ça, le gouvernement tente tant bien que mal de faire face à cette situation de crise. Mais pour Jean-Marie Le Guen, médecin et responsable des questions de santé pour le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, ces épidémies ont été mal gérées par le gouvernement. Jean-Marie Le Guen n'a ni grippe aviaire, ni
Johnny la chikungunya, mais il a la rage. D'ailleurs, son intervention lors d'un débat à l'Assemblée nationale il y a quelques jours nous avait prouvé qu'il tentait d'accuser le gouvernement du retard pris. Il va nous expliquer tout ça. Voici monsieur Jean-Marie Le Guen. Bonjour. 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 Vous avez même créé un incident à l'Assemblée nationale. Oui, malgré moi, mais c'était un cri de colère. Alors... Quelle était la phrase exacte qui a provoqué le tollé général? J'ai dit que si c'était arrivé sur la métropole, les choses ne seraient pas passées de la même façon. Et là, on parle de la chikungunya, évidemment. Absolument. Ouais. Vous revenez d'ailleurs de la Réunion, vous étiez en voyage. Oui. Bah, c'est ce que j'avais vu la situation là-bas. J'ai vu, on a longtemps dit que c'était une petite maladie. Les gens avec qui j'ai parlé et qui avaient été malades, certains d'ailleurs le demeuraient, ben, ils ont beaucoup souffert. C'était vraiment une maladie très souffrante. Et en plus, depuis, on le sait officiellement, il y a des personnes qui sont mortes. Et donc, cette maladie, je le regrette, elle a été un peu négligée et ensuite, elle a été maltraitée. Vous êtes revenu quand, de là-bas, monsieur? Je suis revenu deux jours avant de mon... Laurent, tu devrais venir t'asseoir, là, parce que franchement... Justement, alors là-bas, quelles sont les mesures prises en ce moment? Vous, par exemple, vous allez à La Réunion et je pense aux touristes qui ont envie d'y aller en vacances. Bah, il faut évidemment avoir des répulsifs, c'est-à-dire qu'il faut éviter de se faire piquer par un moustique, c'est clair. Alors, le gouvernement a longtemps dit bah, l'important, c'était de lutter, d'envoyer des petites brigades comme ça, un peu militaires, dans les campagnes pour tuer les moustiques. Mais ça sera peut-être efficace, et encore, j'en doute, avant 2-3 mois. D'ici là, il vaut mieux se protéger. Franchement, vous dites ça, mais il y a un peu de mauvaise foi dans ce que vous dites. Parce qu'on aurait dit aux gens, allons-y, tartinez-vous de crème à tour de bras, même si on vous la donne, la crème. La première réaction aurait été de dire, attends, ils sont gentils, c'est à nous de nous tartiner, il ferait mieux de traiter l'environnement plutôt que de nous demander de nous tartiner non, de crème. Parce qu'on aurait pu leur expliquer que... Il faut faire les deux, c'est ça qu'il faut dire. Oui, surtout. Oui. Il vous faut faire les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Mais alors, qui est le responsable? Le ministre de la Santé À vos souhaits. À mon avis, change de place. On t'avait prévenu. Non. On l'a pas répété, mais je suis inquiet. Il n'y a pas de moustique entre nous. Ah là là. Qui est le responsable, si on doit désigner un responsable? Est-ce que, parce qu'il semble même qu'au sein du gouvernement, M. de Villepin est un peu frappé du poing sur la table. Est-ce que c'est plutôt le ministre de la Santé, M. Xavier Bertrand, qui n'a pas fait son travail? Est-ce que c'est plutôt le ministre des Dom-Tom, M. François Baroin, à qui on a reproché de ne pas être allé à la Réunion avant, enfin un peu tard en tout cas? Vous désignez qui du doigt? Moi, je ne cherche pas à désigner des responsables. Je dis simplement qu'un gouvernement dans sa globalité, quand il a mal fait son travail, il faut le reconnaître, ne serait-ce que pour en tirer des enseignements. Je crois qu'il faut être humble sur ces questions-là. Gérard. Vous aussi. Décidément. Bon. D'accord. C'est toujours difficile de parler de santé publique et de politique, mais on va quand même essayer sans polémique. Est-ce que là, il y a eu des erreurs politiques commises par la gauche ou par la droite qui auraient pu empêcher ce phénomène d'arriver? Est-ce qu'on a commis des erreurs en amont? Oui, très en amont. Et là, je suis d'accord pour dire que c'est tous les gouvernements qui sont responsables. C'est qu'on a laissé une place aux moustiques d'une façon générale dans cette île qui était, depuis 10 ou 15 ans, qui était mauvaise. Donc déjà, il y avait, entre guillemets, une infestation de moustiques qui, en soi, est dangereuse. Bien. Donc, deuxième élément, une fois que les choses sont arrivées, quand vous avez un virus dans une zone tropicale, il aurait fallu se dire, attention, danger. Et ensuite, je pense qu'il y avait une écoute humaine. Si on avait écouté les médecins, les patients, les malades, au mois d'octobre, on n'aurait pas eu cette distance, ce mépris pour cette maladie qui est beaucoup plus pénible que celle qui était décrite dans les livres. Ce que vous dites là me rappelle ce qu'on a dit à propos de la justice récemment. C'est-à-dire qu'il y a une surdité chez les juges, il y a une surdité chez les médecins ou les autorités médicales à entendre ce que disent les patients ou les victimes ou même les coupables en justice. C'est le même phénomène, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans une société d'experts qui essayent de squeezer complètement la parole des juges. C'est plutôt l'administration qui a été sourde et qui s'est dit « Oh, bah, ils ont l'habitude de se plaindre ». Claude. Alors moi je voudrais te dire, monsieur Le Guen, je ne sais pas ton prénom, excuse-moi de te tutoyer, Jean-Marie. Toi tu as poussé un cri, mais moi et tous mes proches, on s'est étranglés de colère devant nos écrans depuis à peu près 6 semaines.
non seulement elle date de, tu vois, j'en tremble, de fureur contre ce gouvernement. C'était, ce truc a commencé il y a un an. Il y a un an. Et maintenant, depuis six semaines, qu'est-ce qu'on voit ? Des types qui viennent tuer les moustiques déguisés en cosmonautes. Et les ministres, les uns après les autres, je ne les ai pas tous marqués parce que depuis Copé jusqu'à Barois, tout le monde se précipite là-bas. Les télévisions suivent, les journaux, on les interviewe à leur retour. Depuis quand ? Depuis un mois. Un mois, 93 morts. Il a fallu tout ça pour qu'on s'émeuve un tout petit peu dans ce pays et qu'on nous foute de la propagande au lieu d'avoir été efficace avant. Je suis indignée. Stevie ? Moi, je suis d'accord avec Claude qu'elle est indignée, etc. Je peux comprendre. Mais quand même, quand on regarde les chiffres, au début, il y avait 4 cas, puis 10, puis 15, et puis d'un seul coup, 20 000, et après 140 000, je crois, selon les chiffres. Et c'est que c'est arrivé en un mois, ces chiffres-là. On est passé de 4 à 140 000 en deux mois. Donc, il faut quand même relativiser. C'est non, non, je n'ai pas en deux mois. Et ça, c'est le propre de toute pandémie. Oui, mais c'est quand même important de le rappeler. Et le gouvernement, quand tu as 4 cas ou 5 cas, le temps que ça arrive jusqu'au ministère de la Santé, il faut quand même un peu de temps. Et puis, en deux mois, il s'est passé d'une dizaine de cas à plus de centaines de milliers de cas. Il faut du temps. Mais attends, tu rigoles. Vous avez votre truc Internet, là. Il faut du temps pour envoyer un mail, pour faire savoir. On pouvait pas parler d'épidémie avec 4 cas. Claude, si vous allez à l'Assemblée, vous allez vite interrompre les séances. Il faut répondre à Stevie sur les quelques cas. On a souvent eu ce débat-là à propos de la grippe aviaire ou à propos d'autres phénomènes. Tu as des manifestations à un moment donné qui ne touchent que quelques personnes. C'était le cas du sida au début, ça a été le cas de la canicule. Moi, je me souviens, j'ai souvent dit ça, je vous assure que c'est vrai, qu'au moment où j'ai branché ma radio pendant la canicule, j'ai entendu qu'il y avait 3 ou 4 morts. Des vieux qui étaient morts à cause de la chaleur. Mais immédiatement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un drame. Parce que je trouvais invraisemblable que 4 personnes âgées meurent de la canicule. Donc 4, ça suffisait pour qu'on soit sur le qui-vive. Symptôme. 4, ça, tu vois, je veux dire qu'il faut parfois... Quelques cas. Dans la canicule, parce que toutes mes bougies, elles étaient... mais je me suis dit, il fait vraiment chaud dehors. Mais justement, quand on prend un avion, par exemple, on peut transporter des moustiques. Non, tous les moustiques sont un peu là. Et les moustiques sont transportés, vous savez par quoi ? Par les trafics ou les échanges de vieux pneus. C'est-à-dire, à force d'échanger les vieux pneus de voitures qui se baladent sur des bateaux plus ou moins pourris avec de la flotte à l'intérieur des pneus, etc. Ouais. Ça, c'est le mode de transport des moustiques. Et ça, Claude, tu pratiques souvent ce trafic-là. On te voit tout le temps avec des trafics de vieux pneus. J'ai un vieux pneu, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. Parlons aussi de la grippe aviaire. Finalement, est-ce que là, aujourd'hui, on n'en est pas à ce qu'était la grippe du moustique il y a 6 mois ? Oui et non, je pense que grippe aviaire, la maladie des oiseaux, ça ne touchera pas la santé des hommes en France. Ça touchera malheureusement la santé des hommes vraisemblablement en Afrique. Vous êtes sûr de ce que vous dites ? La maladie des oiseaux ne touchera pas la santé des hommes en France. Pourquoi ? Parce que nos aviculteurs, ceux qui sont en contact avec les poulets, ont quand même maintenant compris qu'il fallait un minimum de distance, parce qu'il n'y aura pas de poulet malade dans nos assiettes, et quand bien même il y serait, nous mangeons du poulet cuit, etc. Donc il n'y a aucun risque de problème de santé humaine à partir de la maladie de la grippe aviaire. Mais, vous le savez depuis le temps qu'on en parle, ce que nous redoutons, c'est l'évolution d'un virus qui, dans l'histoire du virus, effectivement, ferait que celui-ci devienne transmissible de l'homme à l'homme et que quelque part sur la planète, ce virus mute. Et là, on n'est non plus devant la grippe aviaire, on est devant la pandémie grippale. Et là, on est en train de se préparer à vitesse renforcée et sur lequel, on continue de travailler. Oui. Mais par contre, monsieur, il y a quelque chose qui m'interpelle. Vous avez dit que sur le continent africain, ça peut passer de la volaille à l'être humain, donc après contaminer toute la race humaine. Ouais. En revanche, il y a la Banque mondiale qui va donner $1 milliard pour aider les pays africains à s'en sortir. Pensez-vous, déjà, ma première question, vraiment, parce que moi je ne pense pas que l'argent va vraiment aller, enfin que les chefs d'État vont vraiment donner l'argent pour pouvoir prévenir, c'est un continent qui est totalement corrompu. Donc plus on leur donne de l'argent, plus les fils des présidents à Paris achètent des Ferrari. Donc quand est-ce que l'OMS et la Banque nationale vont se mettre d'accord pour embaucher
embaucher directement les entreprises et faire construire directement les choses sans que l'État ne prenne l'argent. Je vais essayer de dire autrement ce que tu voulais dire, Stevie. Quand est-ce qu'un certain nombre de pays du Nord vont comprendre que les pandémies, les trucs comme ça, sont des enjeux de santé publique internationaux et vont donc considérer que le développement du pays du Sud et la santé des habitants des pays du Sud finit par concerner en bout de course les habitants des pays du Nord? C'est ça la question que tu voulais poser. Oui, parce que par exemple, en gros, aux États-Unis, ils n'ont pas eu la fièvre aphteuse. Oui, mais non. Non, mais admettons qu'il y ait deux aspects à la question. Ce à quoi je réponds, les pays d'Afrique se sont rassemblés pour que l'argent aille dans un seul guichet bien connu, qui est la Banque africaine de développement et qui est parfaitement sous le contrôle de la Banque mondiale. Parce que c'était pas précisé. Bien, je précise ça. Donc, ils ont eux-mêmes anticipé l'éventualité de la critique. Par contre, je dois dire que ça fait maintenant plusieurs mois que nous avons mobilisé de l'argent, les États, l'Union européenne, hein, et cet argent n'est toujours pas arrivé dans les pays. Monsieur Le Guen, je vais vous demander de vous déplacer et de... Ah non. Ah si. Et d'aller aux côtés de Perry Cochin, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui prenne des risques. Et aussi, surtout, parce qu'on me signale que le gouvernement vous a entendu, monsieur Le Guen, et une ministre qui vient nous voir de temps en temps ici sur ce plateau, madame Dominique Pipeau, qui est ministre des Affaires problématiques, demande à prendre la parole. Voici donc madame Dominique Pipeau, ministre des Affaires problématiques. Vous avez demandé à venir nous voir sur ce plateau, madame la ministre. Vous savez, ici, vous avez table ouverte. Bien sûr. Vous pouvez, quand vous voulez, venir expliquer les décisions du gouvernement. Absolument. Et j'imagine qu'effectivement, ce débat vous a intéressé. Voilà, absolument. D'abord, permettez-moi de vous remercier, en effet, de m'avoir invité à votre excellente émission de divertissement satirique d'Access Primetime. Hein, merci, merci. De me laisser m'exprimer sur le houleux, l'épineux. Douloureux problème du CPE. Ah non, alors, on était en train de parler des différentes épidémies, par le gouvernement. On parle de santé. Santé, à la vôtre, Chine. Hein? Chine, chikungunya. Oh, bravo. Alors vraiment, oui. Alors non. Le CPE, ce sera... Non, on en parlera demain, hein, oui. Mais là, aujourd'hui, on parlait des problèmes de santé. Voilà, santé. Alors, sur le domaine de la santé, je peux vous dire que j'en connais un rayon. Ah. J'étais moi-même ministre à la santé pendant 2 ans ferme, dont 24 mois en sursis. Pour vous dire que c'est pas si terrible. Non, pour revenir aux problèmes de santé, alors, des tas de nouveautés sur la table. Oui, je suis en train de mettre en place un nouveau projet qui vise à créer une sorte d'assurance maladie, hein, pour tous les Français, que nous appellerons sécurité sociale. Ah! Attendez, ça existe depuis longtemps. Voilà, ça existe. Ah bah oui! Là, voyez que nous sommes allés plus vite que prévu. Bravo. Alors là, voyez que la 4e République tient ses promesses. La 4e République va de l'avant. Oui. Et je m'en félicite. Félicitations, madame Pipeau. Cinquième, c'est la 5e, 4, 5, 6, allez hop. Bon, mais peu importe, venons-en au problème de propagation des virus actuels. Absolument. Alors, oui, qui est un problème grave, je vous en prie. Un problème au moins autant grave que les bougies de monsieur Boulet. Non, attendez. Alors, pour lutter contre la propagation des virus modernes, hein, des virus d'aujourd'hui, eh bien, je conseillerais à chaque Français de ne plus ouvrir les emails dont la pièce jointe s'intitule Côte-Côte ou Bzz-Bzz. Voilà. Déjà, ça, c'est une chose. Ça écarte un petit peu les problèmes. Sérieusement, de... madame la ministre. Oh, attendez. Le chikungunya, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Alors, merci, monsieur Jiquel, de me lancer sur ce... attendez. Sur ce sujet. Alors, en ce qui concerne le chikungunya, c'est masculin, qui rapporte un maximum au Scrabble. Chikungunya. Attention. Si vous placez le cas, le Y. Je n'avais pas pensé à ça. Si vous placez correctement le K et le Y, avec les 50 points de bonus, vous remportez la victoire au la main. Ce qui n'était pas le cas avec des mots comme peste ou choléra. Donc on avance, il y a toujours du positif. Écoutez, dans les. On peut pas s'amuser avec ça. Je vous rappelle quand même que le virus progresse et qu'il faut trouver des solutions très rapidement.
Et je rappelle que vous n'avez pas les questions à l'avance. Eh bien, quelle était votre question, du coup, d'ailleurs? Hop là, je suis partie, j'étais ailleurs. Le virus progresse très rapidement. Oui, alors, non, point d'affolement non plus. Je vous rappelle quand même que le virus n'a pas encore gagné le territoire français. Il n'y a pas lieu de s'affoler. Hein? Là, attention. Vous allez, attention. Oui. Justifier et donner raison à M. Le Guen, je vous rappelle que la Réunion, c'est un territoire français, Madame la Ministre. Ah, d'accord. Ah, très bien. Alors, tout s'explique. D'accord. Alors, je me demandais pourquoi tout cet affolement pour des Noirs. Mais ça y est. Ah oui, d'accord, c'est français. Ah oui. Alors là, ça change tout. Attendez. Mais non, là, je comprends. Là, je comprends. Là, c'est grave. Là, vous m'auriez dit que la Réunion était en Afrique, j'aurais compris. Là, d'accord. Non, là, attendez, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Maintenant, en ce qui concerne la grippe aviaire, parce que je crois que le problème de la chikungunya est close. En ce qui concerne la grippe aviaire, nous sommes en train de contrôler les flux migratoires, ce qui est un gros progrès, puisque j'ai entendu dire que nous avions mis en place des passeports biométriques que les oiseaux porteront sur eux et qui permettront de les identifier et de les abattre à chaque frontière française. Voilà, là on avance aussi. Hein, vous voyez, avez un dernier conseil, parce que je vois bien que vous avez manifestement un autre rendez-vous. Oui. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner pour rassurer les Français? Alors, oui, absolument. Vous savez, les Français ne sont pas des pigeons, hein? Quoique. Dernière recommandation aux Français est de fuir le territoire dès les prochaines heures. Sans céder à la panique, tout ça dans le calme. En file indienne, à la queue lolo, tout le monde s'éclate. Voilà, m'emportant quand même quelques vivres et quelques produits de première nécessité. Voilà, mais je crois que là, il n'y a pas lieu de céder à la panique. Bon, quant aux politiques, ils sont censés donner l'exemple, donc je quitte le pays pour une durée indéterminée. Voilà, calmez-vous, on s'occupe de rien. Au revoir, madame la ministre. Merci, merci à vous. Au revoir, monsieur Blanc. Dominique Pipeau, alias Florence Foresti. Vous êtes porte-parole, je l'ai dit tout à l'heure, des missions de santé au nom du PS. Merci, monsieur Jean-Marie Le Guen. Merci à vous. Demain soir, sur France 2, à 20h50, seront diffusés les deux premiers épisodes de Fête de famille, un nouveau téléfilm en 6 parties de Lorenzo Gabriel, avec, entre autres, un beau casting, Daniel Lebrun, Jean-Luc Bidault, Jacques Balutin, Antoine Duléry, Mélanie Thierry et Marie-Sophie L. Tout commence dans ce feuilleton, on peut appeler ça aussi un feuilleton, avec l'anniversaire de Colette. Colette, c'est la grand-mère de cette famille qui profite d'avoir réuni tout le monde pour annoncer qu'elle va quitter son mari pour un autre homme. Bref, une mamie qui veut renouveler le plaisir de ses papis. Pour parler ensemble de fêtes de famille, accueillons tout de suite deux des acteurs du téléfilm, Daniel Lebrun et Antoine Duléry. Daniel Lebrun, Antoine Duléry, bonjour, bienvenue. Salut Laurent. C'est vous la fameuse Colette Coco dans le feuilleton, oui, Daniel Lebrun. Voilà, je suis la grand-mère. Une jeune grand-mère. Mon fils. Enfin, un de tes fils. Un de mes fils. J'ai deux fils. Voilà. Celui qui a bien réussi, mais qui tombe très vite. Voilà. Et vous avez aussi des petits-enfants. Bien sûr. Mais vous annoncez à tout le monde, c'est le début du feuilleton. Que je quitte tout ça. Non, mais faut pas le dire. Non, c'est le début. Non, c'est le début. Ouais, mais même. Non, c'est la fin du premier épisode. Donc, on regarde pratiquement 50 minutes avant de savoir ça. C'est dommage de le dire tout de suite. Ouais. Bah, mais alors, je suis embêtée parce que c'est dans la bande-annonce de France 2. Mais oui, mais évidemment, tout le monde le sait. La preuve, regardez la bande-annonce. De toute façon, c'est une fête. Bon, tu vas pas venir comme ça, hein. Tu vas t'habiller, hein. Non, non, je pense que je vais venir à poil, comme d'habitude. C'est bien mon style. Ce jour-là, chez les Merciers, c'était l'anniversaire de Colette. Comment je vais leur dire à mes parents, à ma femme, à ma fille? Qu'est-ce qu'elle va dire, ma femme, quand elle va comprendre que j'ai tout perdu? T'oublieras pas le cadeau pour ta mère, Amine. Mais Colette avait autre chose à faire que de souffler ses bougies. N'assiste pas, s'il te plaît, laisse-moi passer, Francis. Si chez vous, c'est grave, chez eux, c'est pire. Fête de famille, dès mercredi soir sur France 2. Bon, alors, de toute façon, c'est quand même, en tout, il y a quoi, 6 épisodes ? 6 épisodes, ouais, c'est l'intérêt du feuilleton, c'est quand même ça, c'est que cette femme de la soixantaine, 65 ans, décide de changer de vie. Voilà. Vous décidez de quitter, en tout cas, si j'ai bien compris, Jean-Luc Bidault pour Jacques Balutin, c'est ça ? Oui, mais enfin, je serais partie pour rien aussi, je crois. À mon avis. Oui. Elle part parce qu'il ne s'occupe pas assez d'elle. C'est un meuble, c'est un bahut, donc ça se voit tout de suite. Il s'occupe plus de son train électrique que de sa femme. Et elle a trouvé quelqu'un qui l'amuse et pour qui elle existe, voilà, de sorte qu'elle part. Mais je pense qu'elle serait partie peut-être pour rien. Ce qui choque, c'est que les enfants ne s'y attendent pas, lui non plus bien sûr, mais les enfants sont très choqués. Et c'est ça qui est amusant dans ce scénario, c'est la réaction de tout le monde.
Stevie, voilà. Vous avez eu la chance, Stevie, d'avoir eu les cassettes du téléfilm. Alors, vous avez déjà vu les deux premiers épisodes? Oui, les deux premiers. Donc, moi, j'ai aimé. Et je ne sais pas si, parce qu'actuellement, c'est un phénomène de mode, mais il y a une série qui, ça me fait penser un peu au téléfilm, qui s'appelle 24 heures, où ça se passe 24 heures, c'est réellement 24 heures dans la vie. Et là, dans les deux premiers épisodes, généralement, dans un téléfilm, on s'attend à ce que la nuit passe, et puis c'est le lendemain, et puis il se passe quelque chose, et on passe un autre jour, etc. Alors que là, dans les deux premiers épisodes, nous sommes dans la même soirée. Alors, moi, j'en suis là, et je voulais savoir, est-ce que, en fin de compte, c'est voulu ou est-ce qu'il a voulu, le réalisateur a voulu surfer sur ce succès d'être un peu dans la réalité? Vous voyez ce que je veux dire ou non, pas? Non, 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 si, 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 je vois. Est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est adoré? Merci, merci, Stevie. Non, mais c'est vrai que tu parles des feuilletons comme ça, un peu américains. Je trouve que ça se rapproche d'une certaine comme ça qualité à l'américaine, avec des sujets un peu forts, un peu caustiques qu'on voit pas toujours. Moi, à un moment donné, moi je suis tellement déprimé que je vais me suicider. Heureusement, je renais puisque je suis là pour parler de ce film. Mais c'est pas uniquement un truc tout fleur bleue, c'est pas tout va bien, c'est pas la famille Ricoret. Et ça va très vite. Ça va très vite. Et ça parle des problèmes de tout le monde. Oui, effectivement. Enfin, vous les accumulez parce que moi, la vie est un long fleuve tranquille, mais chez vous c'est un tsunami. Ah, c'est la merde totale. Mais je suis avec la petite qui est formidable, la Mélanie Thierry. Franchement, j'ai passé un agréable moment. C'est hyper bien. Voilà. Donc bravo et merci. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Il a très bien parlé. Hein. Bravo. Fête de famille. Alors, Perrine. Attends, il n'y a plus rien à dire. J'ai trouvé ça formidable. Ah, voilà. Oui, c'est très rythmé. Ça va très vite. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. On n'est pas en train de traîner en longueur à écouter les états d'âme des uns et des autres. Pas du tout. On nous plante le décor super bien et efficacement. Et puis alors, c'est magnifiquement filmé. Vraiment, c'est pas parce que c'est France 2 ou quoi ou qu'est-ce. Non, mais je passe vraiment pas la pommade. Lorenzo Gabriel, qui est un metteur en scène formidable. Pardon, je me permets de le citer, voilà, puisque vous le félicitez. Alors, Lorenzo Gabriel. Bon, après, les thèmes abordés sont des thèmes très classiques, certes. Le divorce, la séparation, les engueulades, la mère, les filles, le machin. Mais on rentre dedans complètement et c'est ce qu'on a envie de voir, quoi. C'est bon, ils s'engueulent, ils se quittent, ils se cocufient, ils se je sais pas quoi. Et c'est parfait. Gérard Miller. J'aimerais poser une question à Antoine Dullery. Oui, cher Gérard. Est-ce que vous avez le sentiment que la télévision aujourd'hui, justement par son audace, en tout cas un peu sur France 2, mais peut-être sur les autres chaînes aussi, par la capacité qu'elle a d'attirer à elle des comédiens de plus en plus importants, est-ce que vous avez l'impression que la télévision vraiment aujourd'hui prend la place du cinéma pour les acteurs comme vous ou pas? Non, je crois que... Moi, j'ai toujours fait les deux. Donc, je ne fais pas partie de ces acteurs qui ont craché sur la télé et qui viennent maintenant, après être passés par le cinéma. J'ai toujours fait du cinéma et de la télévision. Et je trouve qu'effectivement, à la télévision, on peut faire ce qu'on ne peut plus faire au cinéma, c'est-à-dire des choses parfois très haut en couleur et sur une longue durée, tout l'intérêt dont tu parlais, de faire des choses où on suit les personnages. On ne peut plus faire ça au cinéma. Donc, je trouve que vraiment, et notamment sur France 2, avec cette chaîne avec qui je travaille beaucoup, fait des choses formidables. Et effectivement, maintenant, ben, je crois que ça a toujours été le même métier. Je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs de cinéma maintenant qui... Bien sûr, on d'être au cinéma, effectivement, à l'affiche du film Camping, un film de Fabien Antoniente, avec Franck Dubosc, qui jouera un Chirac, mais pas Jacques Chirac. Patrick Chirac, c'est son nom. Oui, 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 il a dit, il n'y a pas de raison que ce soit moi qui change de nom. Voilà, voilà, il le dit dans le et film. Et vous jouerez le couple Gatineau avec Mathilde Seigné. Voilà, avec Gérard Lanvin. Voilà, on en parlera évidemment d'ici au 26 avril. Camping, ça s'appelle Camping. Camping, que j'ai tourné juste après Fête de famille. Daniel Lebrun est sur scène en ce moment. Antoine Dullery sera à l'affiche de deux films très prochainement, parce qu'on vous verra aussi dans un film avec Johnny et Fabrice Lucchini. Oui, oui, s'appelle Jean-Philippe qui... J'ai fait la rockstar qui a réussi à la place de Johnny. Donc là, voilà, je me suis bien amusé. Donc c'était le grand écart entre le campeur et la rockstar, et puis entre-temps, Fête de famille. Voilà, c'est ça qui est agréable dans le métier. Alors, on va s'intéresser justement au film qui sort en salle demain avec Isabelle Motreau. Voici les sorties de films grâce aux affiches. Isabelle Motreau, c'est parti. Alors, il faut les laisser un peu à droite. Hein, parce on que commence avec La Panthère Rose, première affiche, réaction. Bien entendu, on réagit sur l'affiche, je le rappelle, et non pas sur le film. Stéphane Pop. Alors, moi, bon, l'affiche est très bien. Juste en dessous, il y a une baseline, c'est marqué « Sur cette enquête, il fallait les meilleurs, ils n'étaient pas disponibles ». Je me suis dit que c'était un peu comme sur le plateau, finalement. Isabelle, qu'est-ce que ça vaut? Ça a été un carton aux États-Unis, déjà. Alors, c'est un carton. Alors, évidemment, quand on aime Black Edwards, quand on aime Peter Sellers, on est toujours un peu déçu de voir une Panthère Rose qui n'est ni réalisée par l'un, ni incarnée par l'autre. Mais franchement, Steve Martin, dans le rôle de Clouseau, c'est quand même quelque chose qu'il faut recommander d'aller voir. Il parle en anglais avec un accent français, mais qui est
pas tout à fait l'accent français, ce qui lui donne une espèce de bouillie comme ça, de truc absolument à mourir de rire. Donc dès qu'il parle, déjà, c'est drôle. Jean Reno est parfait, moi je le trouve absolument parfait, Jean Reno, Beyoncé magnifique. C'est un bon film de divertissement, faut pas bouder son plaisir. Alors on passe à Toi et moi, un film avec Julie Depardieu, Marion Cotillard, Jonathan Zakaï et aussi Tomer Sisley, entre autres. Regardons l'affiche. Gérard. Une affiche aussi second degré, c'est-à-dire aussi mauvaise apparemment, doit cacher un très bon film, j'irais. Bocra. Ben moi, l'affiche me donnait vraiment envie d'y aller, mais comme ils y vont tous, pas avec eux. Isabelle. C'est une comédie très réussie, vous l'avez dit, d'abord la distribution est tout à fait remarquable et très bien choisie. Julie Depardieu incarne une petite jeune femme qui s'appelle Ariane et qui écrit des romans photos. C'est très bien réalisé, très drôle et c'est très frais quoi. Et Julie Depardieu, encore une fois, elle est tellement inattendue, tellement drôle, c'est vraiment bonne un grand pioche plaisir. Donc pour l'instant films. Troisième affiche, et là c'est un peu plus grave comme sujet, s'appelle Girls in America, une histoire brute de femmes. C'est le sous-titre qu'on peut lire sur l'affiche. Gérard Miller. Alors, superbe affiche, mais quel est l'imbécile qui a eu besoin d'écrire cette phrase partout et nulle, une histoire brute de femmes, ça vraiment on pouvait s'en passer. Antoine Duléry et Daniel Lebrun. Moi j'ai envie quand même. Ouais, c'est vrai que je suis pas fou de la phrase, mais j'ai vu qu'ils avaient des beaux prix à Deauville. Voilà. Qu'est-ce que ça vaut, Isabelle Motreau? Ça vaut son pesant de conscience d'émotion, voilà. Parce que ce qui est formidable, c'est que c'est réalisé par deux réalisateurs, réalisatrices qui étaient documentaristes et qui ont eu envie de montrer la banlieue autrement. Le propos part d'un constat terrible, qui est que la délinquance des jeunes femmes, des jeunes filles, parce qu'elles ont 17 ans, 15 ans pour la plus jeune, sont de plus en plus nombreuses dans les prisons aux États-Unis. Et donc le film s'attache à savoir pourquoi et comment ça commence et comment, on espère, ça devrait finir. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un film important qui pose un regard neuf sur la banlieue aux États-Unis avec ce côté féminin. Stevie, il y a des crampes, dépêchez-vous. Votre coup de cœur des trois. Moi, j'ai bien aimé les trois. Je dirais que je défendrais un peu Girls in America parce que son propos est intéressant. Il faut avoir le moral hein, pour y aller quand même. Mais non, pas seulement. Non, faut pas exagérer. Bon, racontez pas n'importe quoi. Féministe, toi. Mais je suis féministe. Mais c'est important d'être féministe. La journée de la femme, c'est demain ou après-demain. C'est important. C'est toujours un peu dur. Si on a envie plus de quelque chose de léger, alors faut aller voir Toi et moi. Et restez avec nous le temps de jouer au qui a vu qui a vu quoi. Regardons très vite le classement de notre équipe. Jean-Luc Lemoine, Stevie sont en tête. Stevie peut repasser numéro 1 ce soir. Sarraute, Pocrin, Cochin sont en queue de classement avec Miller et Motreau. Bon, faut vous rattraper. Ouais. Je vous signale que si vous trouvez une bonne réponse, vous offrez votre point à quelqu'un de la bande au choix. La classe. Première photo. De qui s'agit-il? Qui est cette femme? C'est dans La Nouvelle Star, ça, non? Dans La Nouvelle Star, non. Oui, allez-y. Non, c'est pas ça. Pas du tout. C'est une femme politique. C'est une femme politique. C'est la ministre de la Culture britannique. Voilà. Excellente réponse de Stéphane Coquerin. Pourquoi? Parce que, si j'ai bien suivi, son mari a reçu des cadeaux de Berlusconi. Elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Mais l'opposition britannique demande sa démission du gouvernement Blair, voilà, qui pour l'instant la soutient. Elle devrait divorcer, là. Voilà, elle a préféré divorcer. Pardon? Elle a renvoyé le mari et elle est restée au gouvernement. C'est vrai? Très bien. Ah ben voilà, c'est ce qu'il fallait faire. C'est la journée de la femme. Comment? Un point pour Pocrin. Photo suivante. Non, excusez-moi, on va revenir en arrière. Donc, allez, donc, un point pour Stéphane Pocrin. Merci. Bravo. Merci à vous. Photo suivante. Alors, c'est une autorisation qui a été donnée aux enfants de porter le turban dans des écoles. Pas du tout. Est-ce que ça se passe en France? C'est dans tous les journaux aujourd'hui. Oui, moi, j'ai vu cette photo. Oui, il s'agit des sikhs. Oui. Donc, il s'agit d'un enfant sikh et d'un papa sikh. Et le papa sikh met le turban à l'enfant sikh. Oui. C'est en Angleterre, ça se passe en Angleterre? Non, du tout. C'est la nouvelle année sikh? Non. C'est le seul... signe religieux qui est accepté dans pas les... Pas du tout. Dans après la grippe aviaire et le chikungunya, c'est le retour des poux. Est-ce que c'est bien un phénomène religieux auquel on assiste? Bien sûr, mais c'est une décision du Conseil d'État qui est reprise par tous les journaux ce matin. C'est pas lié au milieu scolaire? Du tout. Dans l'IB. Ah, c'est sur les passeports? Pas sur les passeports. Ah, sur les papiers d'identité, sur la carte d'identité. Sur le permis de conduire. Sur le permis de conduire, excellente réponse de Stéphane Coquerin.
en effet... Il est fort, hein. Ah, il l'enlève. Vraiment, voilà. Il l'enlève. Soyons précis. Le Conseil d'État a estimé hier que les Sikhs devaient enlever leur turban sur les photos d'identité figurant sur leur permis de conduire. Bravo encore, c'est, Stéphane. C'est comme les religieuses. Pareil, comme les religieuses. Avec le turban, quand même. Ils ont le droit de conduire avec le turban, mais pas en photo sur le permis. Ouais. Photo suivante. De qui s'agit-il ? Cézanne. Oh, Cézanne. C'est Cézanne. Pas du tout. Camille Pissarro. Excellente réponse d'Antoine Duléry. Camille Pissarro. C'est un autoportrait. Bien, les vainqueurs. Voilà. Les vainqueurs se voilà, saluent. C'est nous. C'est un autoportrait de Camille Pissarro qui est actuellement exposé, oui. D'où la confusion peut-être de l'un d'entre vous, oui. En même temps que Paul Cézanne au musée d'Orsay. À qui vous accordez votre point ? À moi, s'il te plaît, chérie, parce que je suis la dernière. À Claude. Un point pour Claude Sarotte. Oui, en plus, elle m'aime bien et donc je l'aime beaucoup aussi. Dernière photo. De quoi s'agit-il ? C'est un truc qu'on a découvert, c'est une bestiole race. Très velue et machin, qui est dans les profondeurs des mers et on ignorait ouais, qu'elle existait. Alors, si vous me dites ce que c'est exactement, c'est un... C'est une crabe. Non, un crabe. Pas un crabe. Un cétacé. Un tourteau. Un cétacé. Pas un cétacé. Un crustacé. Un crustacé. Oh, excellente réponse de Claude Sarotte. Il est fort. Il est fort. Poclin président. Poclin président. Poclin président. Eh bien. Eh ben, allez vous rasseoir parce que j'espère. Non, excusez-moi. La course à l'Élysée ne se joue pas encore. Au qui a vu quoi. Eh ben, j'espère que tu gagneras tes voix autrement que tu viens de le faire. Et vous devez dire la vérité, je suis pas fier, mais je vous ai écrasé. Allez, demain soir, deux épisodes, hein, à 20h50, et tout de suite après, le deuxième épisode de Fête de famille. Il y en aura 6 en tout. Six, ça commence exactement. Demain à 20h50 avec, entre autres, Daniel Lebrun et Antoine Duléry. Merci à vous deux. Merci et à demain. Merci.